vraiment tombée en amour avec la pierre. Il y a vraiment une relation pendant le travail. C'est-à-dire que c'est vraiment un échange, c'est vraiment un dialogue. Et finalement, ce qui me plaît, je pense que j'aime beaucoup la pierre parce que donc de cet échange pendant le travail avec le matériau, il y a forcément la forme, elle arrive, hein. C'est magique. Des fois, il y a des cailloux qui sortent, j'ai l'impression que moi, j'y suis pour rien, je tape dessus, mais tout vient tout seul. Et je crois qu'une fois qu'on a goûté à ce plaisir-là, qui est vraiment presque de l'ordre de la jouissance, hein, on voit que tout se passe assez rapidement. La pierre, finalement, c'est assez rapide comme travail. Ça peut aller très très vite. Des fois même trop vite. Et puis finalement, je crois que j'aime bien la poussière de la pierre. Hein. Pour écouter la pierre. Brancusi disait qu'il fallait caresser la pierre pendant ce travail-là. Et c'est exactement ça, quoi. Parce que c'est vraiment un échange, c'est un dialogue. Il faut que ça se passe. Il faut être à l'écoute et la pierre nous renvoie plein de choses. Il y a plein de matériaux super, hein. Le métal, ça relève la lumière.